club de la Vitrenne Foot est né en 73, issu de l'initiative de deux personnes emblématiques du club qui s'appelaient Christian Thomas et Yves Elbert, malheureusement disparus. Ils ont su structurer et démarrer d'une façon très simple, 15 licences, en commençant en bas de l'échelle. Il y avait, je pense, pas d'entraînement au début et ainsi de suite. Progressivement, des joueurs de bon niveau sont venus les rejoindre car la réputation de la Vitrenne dès le début c'était basé sur la convivialité, la bonne humeur, le plaisir sur le terrain et en dehors. Ce club a franchi des paliers progressivement et a très vite atteint un niveau de région, plus bas région. Le projet associatif était basé sur la convivialité, la formation, donc une école de football est née par la suite. Les relations humaines étaient la base de départ de tout projet. Progressivement, le club s'est structuré grâce à un moment historique, notamment, c'est en 1995, après un parcours en Coupe de France qui restera gravé dans les mémoires, un match emblématique contre Monaco, le 12 janvier 1995, au Stade Rennais, devant 16 000 personnes. Ça reste un souvenir fabuleux, hein, avec une médiatisation hors norme. Et le budget récolté au cours de ce parcours et de ce match a permis de franchir des paliers pour arriver en 2002 à un échelon national. Il est vrai que toute personne ayant connu les débuts de la Vitrenne, je pense, se pince en regardant le parcours de ce club, car à aucun moment on aurait imaginé pouvoir atteindre ce niveau. En essayant, je dis bien essayant parce qu'il faut du réalisme, de garder des bases de convivialité. Temps centre de Petit et but d'Anderson, 2-0. Allez, qu'est-ce qu'on a dit, les gars? Allez! Lyon! Allez, allez! Vous remotivez vos joueurs et vous avez raison, car en fin de première période, voici un ballon sur la gauche pour Granger qui va marquer, non? Ça frôle le poteau de Pifto. La Vitrenne Football Club a connu une ascension très rapide, ponctuée de deux accessions successives qui nous ont permis d'atteindre le niveau CFA. Ce niveau CFA est un niveau très exigeant qui requiert beaucoup de travail, beaucoup d'investissement au quotidien. Le groupe de joueurs actuellement présent a su s'adapter à ce championnat-là avec beaucoup d'humilité, tout en gardant ses valeurs. Un cadre de travail qu'on avait déjà mis en place à l'époque de la DH. Aujourd'hui, le club est devant un nouveau défi, continuer à exister, voire même à améliorer son niveau de pratique à travers toutes les équipes du club, que ce soit le football d'animation, la préformation, la formation, et le groupe élite et la vitrine du club qui est le groupe senior. Les objectifs des séances d'entraînement à la Vitrenne FC, c'est l'épanouissement personnel d'un joueur à travers un collectif. C'est travailler sur l'esprit de groupe, sur la vie en collectivité. Celle-là est la base de tous les sports collectifs. En plus, la Vitrenne FC a une identité qui lui est propre, la convivialité et l'esprit de dépassement de soi, que l'on essaie d'inculquer aux joueurs à travers nos séances d'entraînement. L'objectif concret des séances est bien entendu de travailler sur le développement de la technique pour la mettre au service du collectif et de l'équipe. A savoir qu'en fonction de l'âge, l'entraînement n'aura pas le même objectif. Pour l'école de foot, on insistera notamment, en dehors de la technique bien entendu, sur la coordination et le respect des règles de vie en société. En revanche, dès qu'on passera dans la catégorie de foot à 11, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans, on abordera, en plus des thèmes évoqués avant, le travail en équipe et le dépassement de soi pour aller vers un esprit de compétition qui amènera un seul objectif, la victoire. Au niveau du corps arbitral, nous savons que nous sommes trois arbitres, effectivement l'arbitre de centre, mais également les deux assistants, très importants dans notre rôle. Nous savons à charge de veiller à l'application des lois du jeu, les lois du jeu également de travailler et d'arbitrer sur la sécurité et l'intégrité physique des joueurs auxquels nous devons être tous très vigilants. Savoir également de porter une image d'arbitre venant faire appliquer des lois dans l'esprit bien sûr, mais également dans un contexte aussi de la lettre, donc il faut aussi le faire, puisque nous avons à développer notre image en tant plutôt que arbitre venant faire plaisir également comme les joueurs, et non plus l'arbitre qui se comporte plutôt comme un gendarme, venu plus sanctionner que
j'irai faire appliquer les lois du jeu, mais dans un contexte d'un bon climat. De supporters CP après, enfin à la période de la Coupe de France contre Monaco. 95. C'est la plus grande. Ouais, on voyait à l'affiche là-haut. Mais on est pour dire tous, les stades, peut-être pas toi Manu, mais nous on est tous à la création du club. Quoi. On s'occupe de la buvette, de la galette saucisse, des frites. Le club de supporters organise quand même tous les ans un loto. Oui. Hein, un loto qui permet de financer une partie de nos déplacements, c'est vrai, mais qui permet aussi de donner un petit coup de main pour le club en achat d'équipement. Les jeunes. Ouais, quand on fait le loto, on est quand même. Quand on fait aussi un repas de fin d'année, de fin de saison avec tous ceux qui ont donné un coup de main au niveau des supporters et tout ça. Mais on est combien, une trentaine, oui, quarantaine, les conjoints, avec les conjoints. Mais c'est sûr que c'est pas évident de s'investir. Je voudrais ajouter un point qui me semble important de souligner, c'est qu'on soit éducateur, médecin, je dirais joueur, arbitre. On fait tous partie d'une même famille, j'insiste sur ce mot-là, et qu'aujourd'hui on doit tous être solidaires dans le milieu du football, on doit tous être représentatifs du club qu'on représente. Et aujourd'hui, on doit avoir une bonne image et on doit avoir des choses importantes au niveau d'un club qui permettent de réunir tous ces hommes qui font une famille du club. Et aujourd'hui, j'insisterai en disant que, effectivement, si on doit tous être solidaires, tous être à l'écoute les uns des autres, il faut avant tout qu'on sache se respecter, se reconnaître les uns les autres, quel que soit le niveau de compétition auquel on joue et quel que soit le niveau hiérarchique auquel on se positionne dans le club. Le club pourra avancer et relever ses challenges en améliorant ses structures, son budget et en essayant de fédérer autour de lui un maximum de gens passionnés par le foot et qui sauront se reconnaître dans les valeurs véhiculées par le club. Donc c'est une aventure humaine avant tout qui s'est traduite par des ambitions sportives mais tout en conservant ce lot de relations, ce lot de camaraderie, de simplicité. J'espère que la vitrine saura continuer à avoir des ambitions sportives sans laisser de côté ces thèmes qui font sa force. Voilà, j'ai un seul mot à dire pour conclure. Allez les rouges et noirs. J'ai pour l'amortir, j'ai amorti la cuisse, j'entends le portable, clac. Putain, je regarde, fracassé. Enfin, la coque en plastique, j'ai une coque en plastique, je l'ai fracassé. Mon joueur, il m'a mis le vide. Par contre, après, il remet la même, poitrine, volée, barre, je me retrouve, elle est dans la boîte celle-là.